Bonjour et bienvenue sur Radio Gambard pour la première émission de cette année. Je vous retrouve aujourd'hui avec Harry, salut. Salut. Et avec Bastien. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Radio Gambard zu der ersten Sendung von 2014 mit der Ophélie. Salut. Und dem Harry. Salut Bastien et bonjour à tous. Aujourd'hui est un grand jour puisque nous accueillons un invité de marque, monsieur Jean-Pierre Siguen, bonjour. Bonjour à vous. Vous allez bien? Bonjour. Mais fort bien, oui. Vous avez fait bonne route, tout va bien? Tout va bien, impeccable. Ok, et c'est la première fois que vous venez ici dans nos locaux ou bien? De Radio Gambard même, oui, c'est la première fois. Et mais le bâtiment, j'y suis déjà. Ah, allé. D'accord, oui. Très bien. Alors, nous aurons l'occasion de faire plus ample connaissance tout de suite. Hey, nice to meet you. Nice to meet you. Vous êtes né en 1962 dans le canton du Valais à Chalais, une petite commune qui longe la rive gauche du district de Sierre. Vous vivez à Fribourg depuis plus de 20 ans. Vous êtes l'époux de Paulette Siegen-Burchmann et père de 3 enfants. Vous avez décroché durant vos études 2 licences à l'université de Lausanne, une en droit et l'autre en économie. Vous êtes l'actuel directeur de l'instruction publique de la culture et du sport depuis 2013, ancien directeur de l'Union patronale du canton de Fribourg et également membre du Parti démocrate chrétien, monsieur Jean-Pierre Siguen. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette petite présentation que je viens de faire? Sauf sur un seul petit point, je ne suis pas né à Chalais, mais je suis originaire de Chalais, ah. Je suis né à Sion. Ah d'accord, vous êtes né à Sion, ok, voilà. Très bien. Mais très sinon, bien. C'est bonne correction, très bien. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous dire quelques souvenirs, bons ou mauvais, que vous avez du collège, de votre période au collège? Moi, j'ai d'excellents souvenirs parce qu'à l'époque, on a quitté l'ancien collège, hein, mm-hmm. qui était un bâtiment qui est maintenant la justice, le palais de justice valaisan en quelque sorte, pour aller au nouveau collège des Creusets. Donc c'était tout neuf, c'était magnifique. Puis en même temps, le changement de lieu, on a introduit la mixité. Donc il y a eu beaucoup de changements. Vous avez apprécié ça, ce changement? Oui, tout à fait. Et vous avez affirmé récemment vouloir donner davantage de poids à la formation professionnelle. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment? Alors, bon, la formation professionnelle, c'est évidemment la voie de ceux qui se lancent dans l'apprentissage. Et puis maintenant, on a évidemment les hautes écoles avec des passerelles qui existent. Et ça, c'est un domaine où il faut aussi encourager parce qu'on a toujours un peu l'idée qu'il y a la voie académique qui est la voie royale, puis tout le reste, c'est moins bien. Et lorsque je vois les exigences qu'on a aussi dans la voie professionnelle, franchement, ça va aussi très très loin. Il y a toutes les possibilités qui sont données aux jeunes pour pouvoir s'épanouir, développer, inventer, puis trouver sa voie à lui. Vous, monsieur Siguen, quelle est la place des langues pour vous en Suisse? Alors, la place des langues est évidemment importante. Moi, je suis réjoui de voir tous les efforts qu'on fait aujourd'hui pour développer, pour donner des possibilités de pouvoir être multilingue, de se débrouiller, de désamorcer peut-être des craintes, de s'exprimer dans une langue étrangère, même si c'est au début on bredouille, hein, forcément. Mm-hmm. Si je le regarde par rapport à mon époque, c'était évidemment beaucoup plus difficile. Je trouvais qu'on ne faisait pas cet effort. C'était mieux sous langue, c'était tout de suite littéraire. Mm-hmm. Que ce soit l'anglais ou l'allemand, c'était des auteurs qu'il fallait apprendre. Il fallait apprendre par cœur un peu leur biographie d'auteur, etc. Ça portait pas à la discussion du mm-hmm. tout. Il y avait déjà des séjours linguistiques et tout ça à l'époque ou pas? Alors, du tout ça commençait, c'était fin des années 70, début 80, hein, quand j'ai terminé mon collège. Mais j'ai appris après coup qu'il y avait même entre le collège de Sion où j'ai fait et le collège de Brigue la possibilité d'échanger sans perdre. Mais on n'en faisait pas de publicité, personne ne savait. C'était pas connu quoi. L'idée était là, on avait déjà des premiers éléments de réalisation, mais c'était tout simplement pas dans l'air de faire cet effort et puis de rendre ça un peu intéressant pour les jeunes. Si vous aviez eu l'occasion de faire quelque chose comme ça, je l'aurais essayé, oui. Alors sans problème. Et puis je crois que certainement nombreux l'auraient essayé, d'autant plus qu'on ne perdait pas une année, puisque les programmes étaient coordonnés. Mm-hmm. Donc c'était une bonne idée, mais après, ce n'était pas dans l'air du temps de le faire de cette manière. C'était vraiment très, je dirais presque un peu trop académique pour ce niveau-là. Quoi. Mm-hmm. Et si on parle seulement des langues parlées en Suisse, par exemple en Turgovie, comment ça a enlevé le français de l'école primaire et à le remplacer par l'anglais? Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Bon, c'est tout le débat actuel. Évidemment qu'il y a dans l'apprentissage des langues une part de cohésion nationale qu'il faut maintenir. Ce qui est vrai aussi, c'est que le français pour un alémanique, c'est peut-être plus une Lernsprache qu'une Berufssprache, ou je ne sais pas comment on dit. Tandis que pour nous, l'allemand, c'est une langue de profession, c'est pas qu'une langue de culture. Donc on est dans une situation inverse, nous, par rapport à l'allemand, que les alémaniques par rapport au français. Et pour eux, l'anglais est certainement plus proche professionnellement de ceux qui pourraient être appelés à faire après dans leur vie professionnelle. Donc là, il y a quand même une différence culturelle qui est comme ça. Donc après, il faut faire l'effort quand même d'apprendre le français. Alors maintenant, on discute de mettre ça au CO obligatoirement. La CDIP qui coordonne ça au niveau suisse recommande quand même de le faire, même après l'anglais, mais quand même au niveau primaire. Et moi, je trouve qu'on pourrait quand même le faire. Bon, il y a l'argument de dire on a trop de langues du côté alémanique parce qu'il y a justement le dialecte et l'allemand et le français et l'anglais. Ça, c'est des... Après, il y a des bagarres d'experts. Et ça, je suis incapable de dire si c'est trop ou non pour un enfant d'avoir quatre langues ou trois langues. D'un côté, on dit c'est trop lourd. Puis d'un autre côté, tout le monde dit « Ah, mais on apprend beaucoup plus vite quand on est plus jeune. » Et puis, franchement, ça demande encore des explications. J'ai pas la réponse à cela pour l'instant. À ce propos, si on reste directement au dialecte, vous pensez quoi de tous ces cantons vaudois qui commencent gentiment, c'est pas l'heure du jour, à mettre le suisse-allemand, le dialecte suisse, dans leur cours? Vous pensez que c'est quelque chose qui est utile ou plutôt tiré par le nez? De mettre du dialecte du Schweizerdeutsch au lieu de mettre le bon allemand. Écoutez, qu'il y ait à la base le cours d'allemand, ok, mais après, s'il y a une possibilité d'option, puis de dire, bah, tiens, enfin, comme option pour avoir un dialecte, pourquoi pas? Je crois que ça, c'est une bonne. Je crois que des options, il y en a dans tous les domaines, c'est une grande diversité, pourquoi il n'y aurait pas aussi du dialecte là où c'est possible, quoi. Mais à la base, ça reste quand même l'allemand. Okay. Évidemment, le dialecte. On part de l'idée qu'on pourra, si on travaille en Suisse allemande, l'apprendre après. Mais il ne faudrait peut-être pas rester à la frontière des langues pour ça. Il faudrait aller plutôt du côté vraiment de la Suisse orientale pour vraiment apprendre le dialecte après.